Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens après 15 jours d'absence, je crois. Aujourd'hui, je vais vous faire un peu de blabla, vous montrer des petites choses que j'ai achetées, des petites choses comme ça. Vous présenter le mini que j'ai acheté, vous présenter deux, trois petites choses sur le scrap, toujours et dessus. Donc, on m'a demandé pas mal de petites vidéos. Je vais essayer de faire ça le plus vite possible, sachant que je n'ai pas internet chez moi. Enfin, j'ai internet wifi, donc c'est pas trop évident pour poster les vidéos. Et qu'est-ce que je veux dire? Mince. Et donc, le temps, évidemment, avec le travail et tout ça, j'ai pas forcément trop eu le temps de filmer, ni même de trop scraper ces temps-ci avec le boulot. Donc, voilà. Donc hier j'ai fait des petits achats. Donc j'ai fait des petits achats à la foire fouille. Et je peux vous dire que je suis restée surprise parce que je suis allée à la nouvelle foire fouille, pardon, qui est à côté de chez moi, à Tours-la-Ville. Et je peux vous dire qu'ils ont un rayon loisirs créatifs énorme. J'ai jamais vu ça. Deux ou trois rayons, je crois qu'il y a. Et franchement, je suis restée surprise parce que des articles au prix que je les ai achetés. Et que j'ai trouvé, j'ai halluciné les prix parce que c'est des choses qu'on trouve en magasin de loisirs créatifs, mais qui coûtent, je vais dire vulgairement, mais la peau du cul. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, tout d'abord, je me suis acheté donc des petites étoiles en bois parce que j'aime bien les petits motifs en bois et les étoiles en ce moment, j'aime bien ça. Donc, vous voyez, hein, c'est des petites étoiles totalement basiques, hein, en bois. Donc, ces petites étoiles, je les ai achetées 99 centimes. Je les ai vraiment pas payées cher du tout. Et je pense faire de jolies petites choses avec ça pour les embosser, ou bien mettre de la peinture. Enfin bref, faire plein de choses avec. Donc, vous voyez, à 99 centimes, c'est pas énorme. Et vous allez dans un magasin loisirs créatif, je crois que ça vous revient très très cher. Mais il y avait plein de sortes d'autres motifs, hein. Il y avait des cœurs, je crois, différentes. Motif, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment les étoiles c'est mon fort, donc j'avais envie de me prendre des petites étoiles. Ensuite, je me suis trouvé des sequins. Donc là, c'est dans une petite boîte en plastique parce que je les ai triés. Ils étaient tout ça, tout ce que j'ai. Oula, si je fais tomber, si je fais bouger la caméra, enfin le portable, tout ça c'était dans un seul sachet. Et vous voyez, il y en a quand même beaucoup. J'ai rempli la boîte entièrement. Donc deux sequins. Alors pourquoi des sequins? C'est parce qu'en fait j'ai acheté le magazine Esprit Scrapbooking et j'ai vu un article d'une scrappeuse qui disait que les sequins, bah, ça faisait super sur les pages. Et c'est vrai que c'était des petites choses dont je ne me servais absolument jamais. C'est vrai, jamais j'avais l'idée d'acheter ça en fait. Et je me suis rendu compte que franchement, on peut faire des trucs magnifiques. Même j'avais vu ça donc dans un magazine, dans le même magazine, et dans les petites enveloppes, vous savez, que j'ai fait dans la vidéo précédente, où j'avais mis des perles, plein de choses comme ça, et en fait, vous voyez, c'est joli. Et puis je crois que des sequins, il me semble que je vous en ai montré l'autre jour. Voilà, des petits sequins, vous voyez, j'en ai, mais c'est que des noirs. Donc du coup, c'est vrai que c'est des choses que je ne me sers pas. Et je pense que bah bientôt, je vais y mettre. Pas mal de sequins sur mes pages, et puis surtout que ceux-là, franchement, vu tout ce qu'il y a, je les ai payés 2,99 €. Vous voyez, c'est vraiment pas cher du tout, du tout, du tout. Et du coup, bah, pour acheter ces sequins-là, je me suis dit, il va peut-être falloir des boîtes pour ranger. Et oui, des boîtes, j'en ai, mais j'en avais pas assez. Donc, du coup, je me suis trouvé cette petite boîte en plastique. Donc, dans le paquet, il y en avait deux, donc c'était vendu par lot de deux. Donc, vous voyez, vide, hein. Donc c'est des petites boîtes, on voit bien que la qualité n'est pas trop là, parce que quand on voit que c'est pas droit, je pense qu'elles ont dû prendre un coup de chaud ces boîtes. Hein. Mais bon, je les ai payées 1,99 €, et franchement pour le prix, hein, j'allais pas me priver, c'est des boîtes quoi. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'elles se mélangent lorsque je vais en crop ou quoi, les fait peut-être voilà, de les mélanger, enfin j'ai peur que ça se mélange. Voilà, qu'est-ce que je me suis trouvé d'autre? Donc je me suis trouvé ça. Ça, c'est des choses que franchement, je n'aurais pas acheté en magasin de loisirs créatifs parce que c'est hors de prix. C'est des choses dont je ne me servais absolument jamais. Et bien, quand j'ai vu déjà la couleur, parce que moi je suis en kiff sur le rose et je pense que vous le savez toutes, et sur le blanc, donc c'est des feuilles pailletées. Et dans ce paquet de feuilles pailletées, il y en a, donc elles ne sont pas adhésives, hein, il y en a 6, je crois.
2, 4, 6. Ouais. Je pense que voilà, pour la qualité, elles sont bien épaisses. Elles sont vraiment bien épaisses. Elles sont assez maniables, hein, vous voyez, elles sont pas trop. Elles sont vachement bien. Bon, juste bémol, c'est que les paillettes, et ben il y en a, ça tombe, quoi. Mais bon, quand j'utilise des choses à paillettes, généralement je mets du glossy. Ça, ça évite de mettre des paillettes partout. Et je pense, il faudrait que j'essaye. Par contre, ça c'est un truc que j'ai pas essayé vu que j'ai acheté ça qu'hier. Je pense que ça passera vraiment bien sur la Big Shot. Donc pour faire des petits nuages ou des petits embellissements, je pense que ça fera super joli avec les découpes. Voilà, donc j'ai pris un blanc. Je sais pas si vous voyez bien le blanc par contre. Là peut-être. Voilà. Et ben, vous savez combien j'ai payé le paquet? Et ben franchement, j'ai payé 1,99€. Et dedans, il y a 6 feuilles. Ce qui est quand même pas mal, je trouve. Donc du coup, j'ai pas hésité, je l'ai acheté. Ensuite, eh ben, j'ai acheté, donc c'est pareil, ça on en trouve en magasin de loisirs créatifs, mais ça vaut hors de prix. Je me souviens que j'en avais acheté une de la marque Toga, que j'avais payé 5€. C'était quoi? Ce sont des coupons en tissu. Et oui, des coupons en tissu, ça existe de la marque, donc la marque Toga. Là, je les ai trouvés de la marque C'est top, de la marque de la foire fouille. Donc, dans le sachet que j'ai là, j'ai 3 tissus. Donc, voilà, une petite carotée rouge, une verte, pardon, et une bleue. Donc, pareil, quand j'ai vu le prix, par contre, eh ben, j'ai pas trop craché dessus. Hein, 2,29€ les 3 coupons de tissu. Donc, j'ai pas hésité, j'ai acheté. Voilà, je trouve que au niveau du prix, le prix est potable. Donc, j'ai pas trop réfléchi hein, quand j'ai vu ça, parce que je me dis qu'en magasin loisirs créatifs, c'est extrêmement cher. La feuille, rien que la feuille, quoi. La dernière fois, je vous dis, j'en avais acheté une, j'avais payé 5€. Alors que là, vous voyez, les deux, les 3, 2,29€, quoi. Donc, et j'espère qu'ils vont faire des nouveautés, du coup, parce que je pense que j'achèterai facilement les nouveautés. Donc, j'en ai pris 3 paquets. Donc, dans le premier paquet, donc c'était tout ce qui était carotté. Dans le deuxième, c'était des petits points. Et ceux-là, ils sont à fondant, à souhait. J'adore. Donc, rose. Violet. Et vert. Ils sont pas beaux. Ils sont magnifiques. Pareil, toujours 2,29€. Ça ne change pas au niveau du prix. C'est vrai que c'est sympa. Même si on nous coupe des petits bouts. Ou même faire des rainures d'albums. Tout à l'heure, je vais vous montrer mon album que j'ai réalisé sur la Bretagne. J'ai eu beaucoup de mal à trouver pour en fait faire les côtés de l'album. Et du coup, c'est vrai que j'ai utilisé ça, les feuilles en tissu. Et ben voilà quoi, c'est pas négligeable d'en trouver plusieurs et puis de payer ça pas cher du tout. Quoi. Et l'autre partie, vous voyez pas grand chose, hein, je suis en train de. Je vais pas m'entendre bien fort en plus. Alors. Les autres, vu que je suis une grande fan à des fleurs, j'ai trouvé des fleurs, donc là, des roses. J'espère que vous voyez, parce que il fait un temps de merdouille, donc c'est horrible temps. Voilà. Alors là, il y a des petites fleurs, je ne sais pas trop comment. Alors, le fond, il est à mi-temps pastel. Et ceux-là, elles sont un petit peu belles, celles-là. Au prix, franchement, faut y aller, hein. Faut pas chercher à comprendre, moi j'y suis allée sans réfléchir. Et du coup, quand je suis allée à la caisse, je me suis dit, bon, tu vas en avoir pour au moins 20-25€. Même pas. J'en ai eu pour 16,82€. Donc, faut pas se priver. Donc, allez-y. Si vous êtes de par chez moi, allez-y. Parce que franchement, ça vaut le coup. Sinon, ben, vous voyez sur la foire fouille qui sont à côté de chez vous, s'il y a des choses assez intéressantes. Une autre petite chose que j'ai cherchée pendant des... ça fait des mois et des mois que je la cherchais. C'était une perforatrice. Et je remercie beaucoup une amie scrapeuse qui l'a cherchée pour moi sur les boutiques. Elle a regardé. Elle a regardé sur Le Bon Coin, notamment. Et donc, en fait, elle a trouvé ma perforatrice dans un vide-grenier. Donc, je te remercie beaucoup, Myriam. Voilà, c'est cette flèche-là. Ça fait un moment que je la cherchais. Impossible de la trouver. Ou ce que c'est moi qui cherchais pas bien assez, mais c'est vrai que je la voulais d'occasion parce que le perfo c'est quand même assez cher. Et ben voilà. Donc du coup on s'est fait un petit échange parce que du coup on n'a pas échangé, je lui ai pas redonné l'argent. Enfin, on a préféré s'échanger. Donc échanger cette petite perforatrice contre des petites choses. Donc je lui ai envoyé des petits embellissements, des petites découpes et une carte que j'ai pu réaliser. Voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Alors, j'ai réalisé, bon alors c'est pas du scrap, hein, je préfère vous le dire, c'est plus une astuce de rangement.
Parce que, évidemment, j'adore faire des échanges de mes découpes avec mes copines. Donc, avec vous, hein, notamment. Et j'ai réalisé, donc, dans cette petite boîte-là, un petit rangement pour ranger toutes mes découpes. Parce que mes découpes, à chaque fois, elles étaient dans une boîte, ça traînait dans la boîte. Et franchement, c'était pas top. Du coup, j'ai trouvé une petite astuce pour les ranger. Donc, vous voyez, en plus, ma boîte, bon, elle est un peu gâchée. Hein, c'est une jolie boîte cupcake, en plus. Enfin, bref, on voit les cupcakes qui sont là, donc c'est pas... Donc voilà, donc elle n'est pas trop remplie, donc du coup elle tombe assez facilement. Mais bon, c'est juste une astuce de rangement qui est assez sympa et j'avais envie de la partager avec vous pour que là vous voyez bien. Donc ici, donc tout d'abord, donc c'est une enveloppe avec toutes mes découpes de caméo qu'une amie m'a faite, que je garde précieusement dedans pour ne pas les perdre. Et vous voyez, ensuite j'ai fait comme des petits intercalaires, en fait comme ceci, vous voyez, une simple feuille découpée avec juste... les petits renseignements, donc là, étoiles, mots, appareils photo, flèches, nuages, divers, enfin voilà. Et en fait, devant chaque intercalaire, j'ai mis tout ce qui était écrit sur la petite étiquette, donc qui se trouve ici. Donc ici, on va retrouver donc les étoiles, les appareils photo, donc les petites flèches, ou toutes les autres découpes que j'ai, voilà. De l'autre, eh ben, c'est tout ce qui est petit napperon, étiquette, embossage. Donc là, c'est pareil. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas, les filles, hein, si vous voulez faire des échanges, je suis toute oui. Vous pouvez trouver mon album de Dice sur mon Facebook. Alors, sachez que j'en ai pas énormément. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire les échanges, parce qu'évidemment, c'est vrai que quand on voit ce que je fais, j'ai peut-être beaucoup de matériel, mais beaucoup et d'occasion. Et j'achète pas forcément tout le temps neuf, hein. Ça arrive de temps en temps que je me fasse plaisir et que j'achète neuf. Donc c'est vrai que les dies, j'ai tendance à les acheter d'occasion. Alors là j'en attends une de ma copine Sabrina qui m'a commandé pour moi les plumes de la Marquesia. Donc je suis pressée de recevoir ça. Voilà, donc, et je voulais vous présenter donc mon nouveau bébé. Donc mon bébé c'est... cet album, donc que j'ai pu mettre en photo sur Facebook. Du coup, je vais prendre carrément, le portable avec moi pour que vous voyez bien. Donc, je vais juste ouvrir avec vous. Donc, là, vous voyez les rainures, je les ai collées avec le tissu de chez Toga. Vous voyez, de chaque côté, parce que vu que je ne savais pas trop comment solidifier tout ça, le tissu a fait super bien l'affaire. Donc, je vais ouvrir comme ça. Ensuite, je vais pouvoir... hop, prendre le téléphone avec moi sans faire de casse et vous montrer mon nouveau bébé. Donc voilà, désolée si je parle rapidement, je suis partie dans ma frénésie parce que ça va être depuis le temps que j'ai pas fait de vidéo et que vous me les réclamez. Ben je me suis décidée à me trouver 5 minutes, enfin là j'en suis à 13 minutes de vidéo, donc bon voilà. Donc j'ai choisi beaucoup de papier craft, hein. J'ai fait beaucoup les fonds moi-même. Enfin, les deux, quoi, parce que ça dépend des pages, en fait. Donc là, beaucoup de pchites, des pochoirs, enfin des masques. Ici, un petit titre. Donc ça, c'est un alphabet que j'avais acheté, je ne sais pas si vous voyez bien, que j'avais acheté à la foire fouille, pareil. Et c'était tellement pailleté que du coup, les paillettes, ça tombait partout là-dessus. Donc du coup, j'ai mis un peu de glossy. Donc des jolies petites fleurs en papier. Une découpe que j'avais, que j'ai eue d'un échange. Et un petit chipboard de la marque, je l'ai devant moi, mais je ne sais plus la marque que c'est. Simple Story. Voilà. Et on va ouvrir. Donc là, l'album s'ouvre comme ça. Donc là, avec un papier que j'ai collé. Du masking tape en dessous. Hein, pour solidifier, hein, j'ai solidifié au maximum, mais j'ai un endroit qui est décollé, donc du coup, vous voyez, c'est ici. Il faut que je le recolle, parce que vous savez, j'ai tellement de monde qui regarde l'album, que du coup, bah, ça s'est complètement décollé. Mais bon, ça va se... là, tout de suite, dès que je vais arrêter la vidéo, je vais me charger de ça, ça devrait coller. Donc, voilà, ici, la première page, de moi et mon chéri. Voilà, beaucoup de découpes, des embellissements, des stickers... Je vous laisse admirer calmement. Voilà. Donc,
celle-ci. J'ai la tremblote, c'est horrible. Voilà, la page d'à côté. Donc là, un petit titre, hein, tout à fait normal. La photo, et je retravaille mes photos sur Picasa. Donc si jamais vous avez envie de savoir, donc je vous le dis. Petit embellissement en bois. Ça, c'est le. Vous savez, l'adhésif de bricolage que je vous ai montré. Je l'ai passé à la Big Shot. Et vous voyez, je l'ai embossé. Ça rend super joli, je trouve. Et puis ça brille, donc c'est super sympa. Une page avec mon homme. Donc là, très très peu d'embellissement. C'est parce qu'en fait, j'ai tellement travaillé le fond. Donc c'était un fond qui était déjà tout prêt. Donc je sais pas si j'ai un exemple du fond. Ça doit, je dois avoir un exemple, je sais pas. Hop. Désolée, je fais peut-être soit un peu de bruit ou soit je bouge trop la caméra. C'est bizarre, j'en avais des chutes. Et ben, je la retrouve pour mes chutes. Enfin, bref. C'était un fond qui était travaillé. Vous voyez, à la base, la couleur, c'était des petits points. Avec, en dessous, c'était un mi-ton beige, blanc beige. Vous voyez, j'ai retravaillé avec beaucoup de distress bleu. Notamment avec des pochoirs et de la distress. Des pchits, il y en a très peu. Donc, vous voyez, j'ai plus travaillé au pinceau. Et là, et ici. Et puis, les petites étoiles tamponnées avec des petits coups de crayon. Petits points, en fait, au crayon. Vous voyez, donc là, il y a simplement le titre avec un alphabet tout préfet. Un petit sticker, c'est une petite découpe étoile. C'est tout ce qu'il y a. Parce que je pense que la page était. Je pense que la page était déjà bien embellie quand je l'ai travaillée, quoi. Voilà. Ici, là, c'est, j'ai vraiment travaillé énormément dessus. J'ai préparé des fonds. Vous voyez, les fonds, là, c'est quadrillé. Vous voyez, juste ici. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai pris, donc, vous savez, le scotch de bricolage. Donc, vous savez, les petites grilles comme ça. Donc, j'en ai coupé trois morceaux. Parce que j'ai fait trois couleurs différentes. Donc là, vous avez l'orange, le bleu et le vert. Donc en fait, à chaque fois, je mettais une bande, je mettais de la couleur, je mettais une autre bande, parce que du coup, je pense que j'allais pas trop mélanger les couleurs. Hop, vous voyez, j'en mettais une autre bande à côté. Voilà. Et du coup, hein, donc, celui-ci, vu que c'est quand même repositionnable, ça n'abîme pas la page. Je l'ai gardé parce que vu qu'il est coloré, par exemple, maintenant, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il est colorié en vert. Donc du coup, je l'ai gardé pour embellir d'autres pages, hein, ou même d'autres mini-albums, parce que je me suis dit, je vais pas jeter ça, ça servira à rien, ça serait juste du gâchis. Du coup, j'ai gardé bien précieusement dans ma boîte. J'ai mis du masking tape, et puis là j'ai travaillé les papiers, les stickers, les petits morceaux justement de Magic Mesh de tout à l'heure que j'ai coupé, des tampons, des chutes de papier, des petites découpes, un petit embellissement en bois, voilà, des petites attaches parisiennes, enfin voilà, petits embellissements en bois, j'en ai mis deux, parce que j'aime bien ça, mais c'est rare quand j'en mets, voilà. Ensuite, bah j'ai vu Nemo, hein. L'aquarium de Saint-Malo quand même. Donc voilà, la page en elle-même. Donc avec des petits tampons, des découpes, du masking tape, du papier, des étiquettes. La page d'à côté, donc ça c'était un fond qui était tout préfet. Vous voyez, hein, les fonds, je les ai quasiment tous travaillés. Peut-être pas celui-là. Donc celui-là, il y a juste quelques taches d'encre. Donc la photo toujours retravaillée sur Picasa. Quelques petits napperons, des étiquettes, masking tape, un petit sticker que j'ai trouvé à la foire fouille. Et la fameuse enveloppe que j'avais faite dans ma précédente vidéo. Voilà.
Une photo de moi, encore et moi. Je m'aime, ça doit se voir quand même. Je plaisante. Donc voilà, là je travaillais beaucoup des vieilles pages de livres avec des encres distress notamment, des encres en chip, le calque, j'adore travailler le calque. Je garde, hein, quand je perfore dans du calque, je garde les motifs pour justement faire des jolies choses comme ça. Donc là, un pochoir d'où j'ai ressorti un mot parce que c'était le titre de ma page. Voilà, je travaillais l'embossage ici avec les cou la couleur. Voilà. La page suivante. Ah bah celle-là, j'ai eu un mal de chien à la faire, je peux vous le dire. Oh non, fit totoche. Disons que je n'ai jamais scrappé, ou quasiment jamais scrappé de paysage. Alors je galérais, je ne savais pas comment faire. À la fin, j'y suis allée au feeling parce que franchement. Et du coup, j'adore. Je la trouve super jolie cette page. J'ai adoré. Pareil, le fond toujours travaillé, donc avec des pochoirs, ou des masques, pardon. Avec des encres en spray, toujours. Voilà. Et la dernière, donc vous voyez, c'est simplement une étiquette avec un petit récit de mon histoire avec mon homme, mon petit week-end avec mon homme, une bande de papier, et voilà. Et ensuite, vous voyez, c'est la couverture. Donc la couverture, quand on referme simplement l'album, donc on referme comme ceci. Mon astuce n'est peut-être pas top, mais bon, j'ai bien aimé. Et vous voyez, derrière, c'est simplement le même papier que j'ai eu à l'intérieur et que j'ai gardé avec une. Un petit tampon et puis toujours du masking tape. Voilà les filles, c'était du blabla. J'espère que la vidéo vous aura plu. Enfin, je l'espère, hein, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je suis parvenue. Je pense vous faire une vidéo bientôt parce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé le matériel à avoir pour faire du scrap. Donc, je pense que je ferai une vidéo pour les débutantes. Pour celles qui veulent, hein. Si vous la voulez, dites-moi-le dans un commentaire, ça me fera plaisir. Ça me donnera aussi des idées. Si je dois la faire ou pas, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a une personne qui me l'a demandé, je pense la faire. Et si vous avez envie de réellement de la voir, bah dites-moi-le. Voilà les filles, et ben je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse sur la fin de la vidéo sur mes achats. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous tout le monde!